Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que moi, ma semaine, elle a été parfaite. Ma semaine, elle a été parfaite. Et cet après-midi, je m'ennuyais pas. Mais je suis tombée en début de semaine sur un ouvrage et je me suis dit que j'allais peut-être le partager avec vous. Je ne l'ai pas fini. Mais je trouve qu'il est très intéressant. Donc, du coup, vu que j'en suis au milieu, je vous donne mon avis de ce que je pense de cet ouvrage. Et j'espère que vous le trouverez et que vous le lirez. Donc, c'est un ouvrage d'un auteur africain qui s'appelle Scholastique Mukusonga, comme vous pouvez le lire. Elle a eu le prix Renault en 2012 et ce livre a été édité chez Gallimard. Le titre du livre, c'est Notre-Dame du Nil. Je vous fais vite fait le topo de l'histoire. Dans ce livre, déjà, Scholastique, c'est une Rwandaise. Aujourd'hui, elle est peut-être française, mais elle est d'origine rwandaise. Elle n'a pas vécu, vous demanderez si elle a vécu le génocide au Rwanda. Non, elle ne l'a pas vécu, mais elle a vécu ce qu'on appelle les prémices de ces génocides, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas que les problèmes n'ont pas commencé qu'avec le génocide, les problèmes ont commencé avant et le génocide n'a été que la résultante de plein d'autres problèmes. Donc du coup, cet auteur africain que j'ai découvert tout à fait par hasard dans une librairie bruxelloise, elle raconte l'histoire d'une école de jeunes filles, de jeunes filles, Notre-Dame du Nil. Si vous voulez savoir, je me suis intéressée au livre au préalable, pas par le visage ni par l'auteur, mais parce que le titre c'était écrit Notre-Dame du Nil et mon collège où j'ai fait mes classes au lycée, c'était Notre-Dame de Kwamen, donc ça m'a directement interpellée. Et au final, en parcourant le résumé du livre, je me suis retrouvée dedans, je me suis plongée et ça m'a vraiment intéressée. Donc je vous raconte l'histoire. C'est vite fait, c'est l'histoire des jeunes filles qui sont dans un lycée qu'on appelle Notre-Dame du Nil. C'est un lycée qui est situé près des sources du Nil, l'une des sources du Nil au Rwanda. Et dans ce lycée, ils sont chargés de former l'élite féminine rwandaise. Mais quand je dis élite, ce n'est pas forcément intellectuel. C'est des filles de grandes familles qui sont appelées à être mariées à de grandes personnes, à conclure de grandes unions, à conclure de grandes unions. Et dans cette école, qui est tenue par des sœurs et par des vacataires aussi à l'époque, et par des vacataires à l'époque, se passe plein de choses. Comme on le dit dans le livre, c'est un microcosme de tout ce qui va se passer au Rwanda à l'époque. Donc, je vous lis l'arrière et vous verrez, j'espère que ça va vous intéresser. Au Rwanda, un lycée de jeunes filles perché sur les crêtes Congo-Nil, à 2500 mètres d'altitude, près des sources du grand fleuve égyptien. Les familles espèrent que dans ce havre religieux baptisé Notre-Dame du Nil, isolé d'accès, difficile, loin des tentations de la capitale, leurs filles parviendront vierges au mariage négocié pour elle dans l'intérêt du lignage. Les transgressions menacent au cœur de cette puissante et belle nature où par ailleurs un rigoureux quota ethnique limite à 10% le nombre des élèves tutsis. Sur le sommet montagneux, dans une plantation à demi abandonnée, un vieux blanc, peintre et anthropologue excentrique, assure que les Tutsis descendent des pharaons noirs de Méroé. Avec passion, il peint à fresque les lycées dont les traits rappellent ceux de la déesse Isis et d'insoumise reine Candace, sculptée sur les stèles au bord du Nil, il y a 3 millénaires. Non sans risque pour sa jeune vie, et pour bien d'autres filles du lycée, la déesse est intronisée dans le temple qu'il a bâti pour elle. Le huis clos où doivent vivre les lycéennes,
Bientôt encerclés par des nerfs vides du pouvoir Hutu, les amitiés... Et là, on commence, vous voyez que là, sur cette partie-là, elle nous fait rentrer un peu dans le vif du sujet. On a fini l'enrobage et tout. Donc, les amitiés, les désirs et les haines qui traversent ces vies en fleurs, les luttes politiques, les complots, les incitations aux meurtres raciaux, les persécutions sournoises puis ouvertes, les rêves, les désillusions, les espoirs de survie, c'est dans ce microcosme existentiel un prélude exemplaire au génocide rwandais. Fascinant de vérité, d'une écriture directe et sans faillite. Et je vous assure qu'en parcourant le livre, c'est exactement ce qu'il y a dedans. Dès la première page, on est tout de suite à l'intérieur, on est dans le personnage. Et on parcourt, on a du mal à lâcher. Ça veut dire que si je n'avais pas d'activité, je l'aurais déjà fini, c'est sûr. Et je me suis interdit de lire dans les transports. Je me suis interdit de lire à l'extérieur. Donc je me fais mon petit cocon à l'intérieur et je me mets dedans pour lire. C'est un livre très fascinant, très enrichissant, surtout sur comment on a pu arriver au génocide. Moi, l'une des raisons, c'est pas la totalité, mais c'est pas une vue de spécialiste, c'est pas une vue de quelque parti politique que ce soit. C'est le vécu de jeunes filles dans un internat. Vous replongez dedans et vous verrez que même au sein d'un univers protégé, l'influence extérieure a été tellement forte que des jeunes vies déjà ont été vraiment influencées. Donc voilà, je voulais partager avec vous cet ouvrage et j'espère que vous le lirez ou que vous l'aimerez. Il est paru chez Gallimard, comme je vous le disais, et il a eu le prix Renaudot. Donc c'est déjà, c'est un petit gage de qualité ou un gage de qualité. Je vous assure que quand on s'y plonge, c'est pas une lecture de fille, hein. C'est pas parce qu'il y a un visage de fille, c'est pas une lecture de fille, c'est écrit par une femme, mais c'est pas une lecture de fille, c'est très édifiant comme ouvrage. Donc j'espère que vous l'apprécierez comme moi je l'ai apprécié. À la prochaine fois, ce sera pas un ouvrage, je ne sais pas ce que c'est, je suis une férue de lecture, mais je suis pas tout le temps en train de partager ce que je lis, sauf si je trouve que c'est très intéressant, et ça franchement, c'est très intéressant. Je vais faire ma petite collection des livres à lire pour l'été et voilà pourquoi je fréquente les librairies, parce que je me crée une petite collection pour cet été. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que les choses s'annoncent bien pour vous. Le temps sera au rendez-vous, du moins ici à Bruxelles. En France, je sais qu'aujourd'hui, c'est le début des matchs de l'Euro et je ne sais pas si on m'a dit que le temps n'était pas au rendez-vous, le beau temps, disons. Mais je vous souhaite un bon week-end et puis enrichissez votre culture livresque. Au revoir !